Quels enseignements retenir des innovations dans le domaine de la e-santé? Prenons un service par exemple, le télésuivi de diabète, qui peut amener des réponses très concrètes dans des déserts médicaux. Comment je réconcilie la sphère du patient avec celle du médecin en territoire, du professionnel de santé, des acteurs médico-sociaux, les infirmières, les pharmaciens par exemple, en cohérence avec le suivi hospitalier sur un continuum numérique qui soit de confiance. Finalement, c'est tout le sujet qu'on voit nous devant nous pour pouvoir déployer des innovations de services comme le suivi du diabète, le maintien à domicile des seniors, l'insuffisance cardiaque, le suivi en oncologie, etc. Donc des maladies chroniques ou des suivis post-opératoires qui vont avoir besoin de numérique pour pouvoir baisser la pression sur le système de santé et finalement transférer une part du suivi autour du domicile. Mais sans confiance dans le digital pour réconcilier ces trois sphères, on n'y arrivera pas, d'où l'importance aussi de projeter des services de tiers de confiance numérique pour répondre à cette attente. Plus de 60% des Français ont encore des interrogations dans le numérique en santé sur la question de la donnée, sujet très sensible.